bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live et ce nouvel épisode de USC Counter Force. On reprend du coup toujours notre recherche de cadeaux de Noël, ça reste l'objectif, et du coup, je vais suivre le conseil d'Alastre sur le live précédent, qui s'était un peu mal terminé. On va essayer le mode facile pour voir. Alors, il m'a pas conseillé d'utiliser le mode facile, mais seulement une escouade, et en fait, je suis curieux de voir vraiment, alors beginner peut-être pas, mais vraiment... qu'est-ce que ça change en termes de difficulté d'être en mode facile en fait? J'ai envie de voir un peu, et vu que normalement, quel que soit le niveau de difficulté, c'est 15 cadeaux par map, ça pourrait nous permettre d'aller chercher un peu plus vite les objectifs. Donc on va se lancer comme ça, on va se lancer avec l'équipe Chobiti. L'objectif aussi c'est de débloquer des prototypes en terminant dans les limites de tours, et un petit peu de ressources pour pouvoir éventuellement crafter des trucs. Notamment là, si on pouvait se faire quelques laser scopes, éventuellement un biosync scanner. Bon, c'est pas avec des missions faciles qu'on va récupérer du matériau rare, mais voilà. Ça pourra nous permettre de débloquer des points pour augmenter notre équipement, éventuellement passer des niveaux aussi avec nos persos. Et du coup, bah, avoir quand même un petit peu plus de facilité, on va dire, à gérer les saloperies. Toute proportion gardée vis-à-vis des saloperies. C'est parti, on va démarrer donc comme ça avec eux sur cette petite mission. Seek and Destroy facile, j'ai choisi la surface. J'aime bien le concept du bâtiment cerné par des buildings. C'est assez rigolo. Donc on va commencer par un petit scan. On a quand même 40 ennemis à tuer. Hein. Il y a du cadeau tout là-bas. Ok, très bien. Du cadeau tout là-bas. Parfait. On voit que les murs sont assez fins, éventuellement ils pourraient passer là. Hein. Bon, commençons par ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on voit? Du Worm Pick de dos, c'est plutôt cool. On a deux databanks pour commencer. On va regarder un peu, on a direct un alien de Noël. Deux Organ Shepherd, un scorpion. Une porte avec du loot. Là, il n'y a probablement rien. Il y a sans doute un mur ici. Alors, il y a peut-être une porte vers l'extérieur, mais plus probablement un mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter qu'on est de dos pour lui péter les fesses à lui. Voilà. Après, on va aller là avec Chobiti, voir un peu ce qu'on trouve. Déjà, il n'y a rien là, c'est bien un mur. On va allumer celui-là. Allez, faut le tuer. Ok, ça fait un de moins déjà. On peut balancer des flammes par là-bas. Ah, il y a une porte ici. Ça pourrait être intéressant d'aller la verrouiller, mais j'ai pas assez de mouvement. Donc, je pense qu'on va aller jusqu'ici avec toi. Claquer un petit disperse. Alors lui il est immunisé aux flammes, mais les explosions lui font quand même mal. Hein. Et après, est-ce que je peux venir genre là? Non, je fais 11. Si je me mets là, je fais 12. Donc je peux venir ici et cramer lui. Ok, ça met déjà lui bien dans le mal, ce qui est plutôt cool. On va envoyer notre médic ici. Full burst un peu cet enfoiré dans le dos, et après se débarrasser du scorpion. Je pense que c'est jouable. Voilà, parfait. Toi tu pourrais aller ici. Et probablement pas caler un snipe parce qu'il y a lui devant, dommage. Mais si tu te mets genre là, t'auras 8 pile poil. Assez pour mettre un petit truc dans les fesses. Donc on a toujours lui qui a pas joué pour le moment, mais à la limite, il pourra s'occuper de ramasser des trucs. Donc ici on vérifie, on a plein de trucs à récupérer dans cette zone. Donc on va défendre par là, alors pas en full burst. Voilà. Ouah, wow, tu vas te mettre en short et défendre par là. Ouais, quoique même... ouais, bon, c'est pas ouf ici, on va peut-être reculer un peu.
d'une case. Il faut surveiller plus ou moins les deux là. Toi tu prends ce truc là. Tu vas venir ici. En défense également. Là on a plus de points, là on a plus de points, là on a plus de points. Et là on a plus de points. Ok, c'est parti pour le premier tour. On va voir s'il y a des trucs qui ouvrent les portes. Déjà, ça tape sur les murs avec 0 de dégâts, donc ça c'est les petits verts au début qui jouent. On a l'habitude. Normalement les crawlers jouent, voilà. En 2 ou 3ème numéro. Donc là on a trouvé ça, très bien. Je pense que fermer cette porte va être probablement intéressant. Il y a déjà beaucoup de mecs qui se font plaisir à rentrer là. Oula, oui, carrément. Alors, ça ouvre ici aussi. Très bien, un armored, c'est toujours un peu chiant. Alors, il faudrait que notre ingé arrive ici. Donc on va pouvoir faire peut-être un peu de place avant. Déjà, toi, tu pourrais venir là, cramer tout ça. Et salut Kars. Eh ben écoute, ça va bien et toi? J'espère que ton réveillon se passe bien. Chobiti n'est pas là pour le moment, mais elle va sans doute pas tarder à un moment ou à un autre à passer. Ici, ça m'embête de bouger avec lui. Donc je vais plutôt essayer de me débarrasser de celui-là. Alors déjà, on va faire un petit scan. Lui serait déjà mort. Et après, si je peux le nettoyer. Alors, est-ce que sa brûlure était pas trop grave? Non, ça va. C'était. C'était pas gravissime. Et le pharmacien, on est allé le voir, il a dit bah. Faut mettre de la patate crue dessus, vous savez. Elle hurle à côté que le pharmacien s'est moqué de lui. S'est moqué d'elle. Ok, ça c'est mort, parfait. Là, on est un peu trop près pour s'occuper de lui, donc on va plutôt aller pirater par là. Voilà. Et aller le gérer à la houche. Ouais, comme ça, ça fait des frites, exactement. Tout à fait. Ok, donc eux deux ils sont crevés, c'est parfait. Il nous reste donc du coup ici à gérer. On va reload ça, prendre notre petit truc là. Du coup, la laisse pas ouvrir les huîtres ce soir. Ah non, effectivement, je confirme. Je laisserai pas Chobiti ouvrir des huîtres. Ça l'a fait bien rire, sache. Ici je pense que c'est juste du loot. Ah non, c'est pas que juste du loot, il y aurait potentiellement des gens qui pourraient passer. Donc ils pourraient faire le tour par là éventuellement, les coquins. Donc du coup ça veut dire qu'on va refermer derrière nous. Ça l'a fait rire, hein, je te le précise, Kars. Ok, on va ramasser ça, tac tac, ensuite on reload et on se remet en défense ici. Et avec elle, on va avancer avec Démonique Chobiti et on va également surveiller cette zone. Là, tu peux progresser un peu vers là. Et ici, on va se mettre là. On va défendre cette zone là. Même si c'est pas idéal avec Aminou devant. Donc eux sont morts. Ah là on voit un Worm Pig là. Est-ce que je peux le viser éventuellement? Je vais me mettre là.
Je vais en profiter pendant qu'il est de dos en fait. Je préfère l'éliminer pendant qu'il est de dos. Ou en tout cas lui faire mal pendant qu'il est de dos. Plutôt que lui donner une chance de nous tirer dessus. C'est parti. Donc là il meurt comme prévu. Là il devrait mourir aussi, donc il va laisser éventuellement un petit derrière lui. Bon bah voilà, c'est comme ça. Là ça va s'exciter sur les portes. Saloperie. Ou un hunter. Donc lui il va aller chercher quelqu'un, donc probablement le médic. En général c'est le médic qu'ils vont chercher. Un alpha, très bien. Ah putain, il est planqué derrière son pote, donc j'ai pas pu le toucher. Alors déjà on voit que les ennemis font moins mal hein. Ceux-là là, il nous a mis juste un poison build-up, alors que normalement tout à l'heure il nous mettait du saignement, il nous pétait notre morale. C'était un peu la teuf. Ouh, y'a du monde là. Ok, on va changer d'avis. Tu vas équiper ça, tu vas venir jusqu'ici. En disperse. J'aimerais même avancer d'une case, mais le problème c'est qu'il faudrait que j'aille ici. Ça serait trop proche, non. On va se contenter de tirer là. Voilà, ça fait déjà un peu mal. T'es couché le lardon, tu vas t'occuper du grand, tu passais juste faire coucou et prendre des nouvelles de madame. Bah écoute, c'est très gentil de ta part. Bon réveillon à toi aussi. Amuse-toi bien, enfin amusez-vous bien d'ailleurs. Et Shobiti te passe le mot qu'elle a une cloque sur le doigt, mais qu'à part ça, ça va bien. Okidoki. Et elle fait des gros bisous aussi. Comme ça, tu es couvert. Roger that. Alors, toi, ce serait bien que tu ailles chercher le databank, vu que tu as commencé. Ah, il va te falloir trop de points. Ici, on va reculer. On peut pas reload malheureusement, on va reculer juste pour avoir un peu plus de latitude là. Si je vais ici, je pourrais m'accroupir, parfait, donc vas-y, accroupis-toi. En défense, l'objectif c'est que lui là, on arrive à les choper un peu, alors malheureusement... L'enfoiré là en tanking, à mon avis, il va pas pouvoir le shooter, mais... Il y a une porte qui a été ouverte ici, donc c'est possible qu'ils commencent à s'exciter par là. On va reculer un petit peu et on va se préparer à défendre. Et re à l'astre. J'espère que tu as bien mangé. Toi, t'aurais peut-être potentialité de caler un tir quand même. Non, ça va être compliqué. Probablement d'ici, mais t'as pas ce qu'il faut comme point. On va te préparer à aller par là-bas. C'est parti. Là déjà il brûle, c'est plutôt cool. Ça va peut-être lui donner envie de s'enfuir. Alors là ça tape sur la porte, ça veut dire qu'ils ont pas forcément fait le tour. Ce qui m'arrange bien, j'aimerais bien qu'ils ils viennent pas te péter tout le loot là. Ouais, ils se replient, parfait. Attaque. Un autre, ok. Oh ça ouvre là. Ouh l'alpha il a fait tout le tour. Il peut taper, ok très bien. On commence à avoir un petit peu de saignement. Bon il va falloir qu'on se débarrasse de lui, ça devrait être faisable. L'autre elle nous lâche des œufs derrière elle là. La maman. J'aimerais bien un petit scan là pour voir à quoi s'attendre. Ok, donc ici il y en a un qui s'acharne là, mais globalement on a fait le taf. Ça doit être le gros alpha en flamme qui s'est barré. Parfait, il est mort. Ici on peut venir jusqu'ici mettre. Non, attends, plutôt tu vas venir là.
va full burst lui, puisqu'il est plus facilement accessible. Voilà, parfait. Et toi, tu vas t'occuper de celui-là. Ok, il fallait beaucoup de tirs pour se le faire malheureusement. Donc là il y a des flammes un peu partout, donc on est coincé avec toi, donc tu vas aller chercher ton databank comme prévu. Voilà. Et du coup on pourrait s'occuper du loot là-bas. Allez, allons-y. Pour l'instant il n'y a aucun ennemi qui s'est faufilé. On trouve quoi? Des cryocharges. De quoi sceller les portes et un canard. On va prendre ça. Searching. Propriety data, on a un stun bâton, ok. Searching. Un shotgun. Ah, un primotron chimera, très très bien ça. Des munitions à perçage d'armure, c'est pas mal. Searching. Et là, un primotron Chirinyuk. D'accord, c'est le... Ah oui, c'est un consommable celui-là. C'est un truc qui permet de hacker de manière très efficace, plus que les objets de base et pour peu de points, mais qui est consommable, on voit qu'il y a un foie en bas. Ok, c'est pas très utile dans le contexte. On va probablement se contenter de se pousser et de recharger notre truc là. Il va falloir qu'on cherche tous les cadeaux, hein, donc... Toi, t'es full. Viens donc par ici. En défense. Toi, tu vas reload et te mettre là. Alors, est-ce qu'on a mieux? Globalement, pas trop. Toi, tu vas revenir ici. En défense. Toi tu vas défendre ici, le bleu on va l'envoyer en haut du coup. Et démonique, tu vas venir ici pour pas être trop gêné dans ton angle de vue par, par notre tank. C'est parti. Donc là c'est le décès comme prévu. Là ça s'excite, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc qui vous les porte pour le moment en tout cas. Un cadeau tout là-bas. Un cadeau là. Il est de retour lui. Putain, il gagne de la vie malgré qu'il brûle l'enfoiré. Ah mais là il y a du bleu, il y a du violet là. Il doit y avoir l'alien de Noël là. La sale bête. Ah, ici on est coincé par les flammes. Hein. Ouais, on est coincé par les flammes. Out of ammo. Recharge. Ah, tu le vois pas à cause du petit rocher, sérieux. Viens là. Voilà. T'es sérieux? Merci. Il te reste un seul tir. Tu peux pas tirer sur l'œuf là? Bah, recharge. On va refermer là. On va laisser le petit œuf éventuellement popper, c'est pas très grave. Ce qu'on va vouloir, c'est progresser par ici. Alors toi tu viens là, est-ce qu'on avait des trucs intéressants? Oui, on avait des munitions à perçage d'armure, là 120 quand même. Tu vas unload, recharger avec ça, voilà. Ici, rien d'intéressant, ici on s'en fiche, et ça on s'en fiche aussi, ok. Très bien. Ah, là il y a une saloperie. Ah mince, plus de munitions. Target hit! Attack. Understood. Plein de portes, plein de petits cadeaux. Holding position. On se met en défense. Toi tu vas nous prendre ça, tu vas te mettre là, tu vas couvrir ici, un triple fire tant qu'à faire.
Neige est pas assez pour aller verrouiller. Il faudra qu'on récupère le primotron. Alors là, je pars du principe que s'ils ont pas ouvert la porte jusqu'ici, c'est que probablement ils ont pas ce qu'il faut pour ouvrir la porte. Même si c'est risqué comme pari, je l'accorde. Et il n'y a personne d'autre. Parfait. Ok, là il y a l'œuf qui a éclos. Mais il n'a pas de quoi ouvrir la porte, il s'excite dessus. Pas de problème, ça me va. Petit à petit, ça limite hein, ces petits trucs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un datapad, mais ça va être plutôt pour toi. Toi, tu vas aller chercher ce cadeau. Et ce cadeau. Toi, l'ingé, tu vas venir jusqu'ici pour qu'on te passe ça. Hop. Ça, tu le jettes. Voilà, tu gardes ce truc-là. Balance un petit scan. Ah, là, il y a un truc qui se déplace. On va aller là, récupérer ce truc. Il y en a un autre tout là-bas, donc on va commencer à y aller. Et en attendant, on va ouvrir cette porte. Il y a une petite merde. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, il faut qu'on fasse de la place. Putain, il y avait du poison juste en dessous le la barre, la barine, la bla. J'y arrivais, la barrelle. Et du coup, on est coincé. Bon bah. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de cadeau de toute façon. C'était vraiment le truc d'Hydrazine. Là, on sait qu'il y a un ennemi derrière. Ok. C'est du cherchant de destroy, donc il faut qu'on les tue tous. Même si c'est des petits culs-de-sac à la con. Ça, c'est des caisses, hein. Il pourrait y avoir des choses derrière. Hein. Il faudrait que je la pousse encore parce que je peux pas passer là, c'est des trucs de 1. Ok. Toi, tu peux verrouiller cette porte-là comme ça s'il pète celle-ci. Ça leur apporte rien du tout. Et après, tu progresses par là. Et toi, tu vas venir ici et tu vas te préparer à défendre au cas où il y ait un ennemi qui passe. Ça s'excite un petit peu sur les murs, normal. Ah, il y a une porte ici, j'avais pas vu. Avec un cadeau pour y aller, choper le cadeau, repartir. Bon, on va prendre de l'acide si on fait ça. Ah bah non, il y a un enfoiré. Il faut donc qu'on recule. C'est pas avec le petit PM de base de Aminou qu'on va réussir à passer ça, même si on prend des munitions cryo. Roger that. On va reculer et verrouiller la porte. C'est quand même trop bien ce truc de le primotron là. C'est pour ça que j'avais fait l'autre mission hein, pour essayer de le débloquer, mais c'est hyper bien quoi. Ok. C'est bien dense par contre comme endroit là.
Ici on voit quelque chose. Ici il devait y avoir un alien qui s'est enfui, encore d'autres portes. Bon bah on va continuer hein, après tout on cherche les cadeaux de Noël donc... Si jamais ils sont cachés quelque part, voilà, on aurait plus vite fait de faire le tour je pense. Toi, va chercher ça. Là j'ai l'impression que pareil c'est coincé derrière mais ça a l'air d'être des coffres à loot par contre ça. Yes. Vas-y ouvre et ouvre. Et toi t'as assez pour venir ici et regarder au moins ce qu'il y a. Un casque. Ouh des... Biowarfare, putain c'est trop bien ces munitions. Que des bonus quoi, plus de dommages, du stun et en plus du poison, parfait. Et là, des munitions standard, de... donc ça c'est moins intéressant, par contre ça c'est cool. On va prendre ça pour le moment. Et il faudra qu'on aille donner, il faudra qu'on passe chercher ça avec Aminou du coup. Du coup tu vas commencer à descendre tout en bas mon cher Aminou. Et pour sortir par contre, est-ce qu'on dégage le chemin par là? Est-ce qu'on passe par ici? Je sais pas trop encore. Je pense qu'on va plutôt dégager le chemin par là. Roger that. On va faire un peu de place. Jusque là toi tu pourras pousser ce truc là mais d'abord prends donc un petit peu d'hydrazine, ça fait pas de mal d'en avoir en rab et visiblement le reste de la bataille va se passer dehors. Alors là ça va commencer à s'exciter sur les portes je pense et sur les murs. Ah il y a un cadeau derrière là. Ouh. Ça cogne. Ça cogne, ça cogne. Donc ici, visiblement, il y a du méchant. Et on voit rien avec la barille. C'est dommage, ça aurait presque été cool qu'il la pète en fait. On va voir. Ok, un alpha. Un foutu alpha scorpion. On le rate en plus. Est-ce qu'on est pas... on est peut-être même pas assez loin. Attends, on a tellement peu de chance de le toucher. Ok, replie-toi. On va laisser... L'ingé faire ça, 54% de chance. C'est pas cool, il est planqué derrière le mur en fait. Voilà, ok, c'est pas si mal. Là, on peut pas le voir lui. D'accord, on va donc devoir se replier en défense. Toi, recule largement. Toi aussi, probablement jusque là pour pouvoir recharger. Donc ici on se retourne, on recharge, on défend. Alors, pas en full burst. En short ça le fera bien. Toi pareil, tu viens ici. Tu défends. Toi tu vas venir là. Tu t'accroupis, tu défends. Toi tu viens récupérer tes munitions. Searching. Hop, du coup tu vas unload ces munitions de merde, enfin ces munitions cryo qui sont certes bien mais moins que les biowarfare. Et tu vas venir ici, understood. Tu pourras te mettre en défense, faire un petit tir au biowarfare, ça sera toujours ça de prix. Holding position. Si vraiment il y a quelque chose qui s'approche de près.
On est parti. Ah lui il est mort du saignement, des flammes j'ai l'impression. Donc il a dû laisser des petites saloperies derrière. Voilà. Bonjour. Ah un alpha. On a désintégré le caillou avec Démonique Chobiti là. Le caillou, la caisse. Bien. Un petit scan. Ok, la voie est plutôt libre. C'est parfait. Ah non, on peut pas passer là. Les aliens ils peuvent se faufiler là-dedans, mais nous on peut pas. Zut. On peut pull ce truc là, mais ça nous arrange pas des masses. Il faudrait plutôt qu'on pull ce truc là ici. Ça, je peux pas le pull ça. Je peux pas le pull là. Zut. Comment je vais faire ça? Et je peux pas passer là? Putain, quel bordel. Si je vais là, je peux le pull. Non, je peux pas le pull celui-là. On peut pas le pull en diagonale en fait, ces trucs-là. C'est un peu con. Bon bah, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de la place autrement. Hein. Là, je vais pouvoir le push lui, normalement. Là, je peux le push. Le push encore. Le push encore. Et là, on peut passer. Donc, il y avait un ennemi tout là-bas. Et la petite porte. Tiens, qu'on a la petite porte. On peut aller voir la petite porte. Chobiti veut qu'on aille voir la petite porte. Allons-y. Il y a rien. Il y a une autre petite porte, tout à fait. Mais en l'occurrence, j'ai plus beaucoup de points d'action. Donc, bah, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, on va rester dans le coin. On va laisser la place aux autres. L'ingé, il peut aller jusqu'ici, jeter un œil. Qu'est-ce qu'on voit? Un worm, mais l'autre est trop loin. Il y a Kadosh. Oui, des Kadosh, oui, certes. Attack. Hop, voilà. Yes, sir. Toi, tu viens là. Hop. Holding défense. Position. Toi du coup, si on veut venir ici, on a 23 Understood. Points, c'est pas mal. On voit rien pour le moment, mais on sait qu'il y a juste un petit truc. Alors on va désactiver le Friendly Fire, défendre. T'as quoi, t'as 23, tu peux recharger avant de défendre. Et toi tu vas venir ici. Il y a quand même plus d'ennemis là. Vas-y, défends. Éventuellement, on pourra sortir par là si on le souhaite. Ok, c'est du scorpion, pas cool. Qui est bien resté planqué derrière son rocher pour qu'on puisse pas lui tirer dessus. De face, on va galérer avec lui. Hein. De l'autre côté, on a des munitions perçage d'armure, donc faut bien que ça serve. D'accord, merci. Très bien, Chobiti, très bien. Non, on ramasse pas le cadeau. Qui ramasse les cadeaux violets? C'est de l'autre côté qu'on ramasse les cadeaux violets, ouais. C'est Malvin qui ramasse les cadeaux violets. Bah, vu qu'on va reculer là, on va quoi qu'on pourrait avancer pour chercher les cadeaux. Faut pas que je sois trop confiant, hein. Est-ce qu'on peut venir jusqu'ici mettre un coup? On peut venir jusqu'ici mettre un coup. Si on le tue, tant mieux, ça fera de la place. Parfait. Donc là, il y en avait un qui s'était infiltré là, qui doit être reparti je ne sais où. Donc attention. On avance. On s'accroupit. On défend. Hibou Médic, tu vas venir derrière. Understood. Pareil, tu défends. Alors avant de défendre même, tu vas donner ça ici à ramasser le cadeau. Searching. Et après tu défends. Position. Et ici, il y a cet enfoiré bien planqué.
Si on veut s'approcher, on est obligé d'avoir des... On est obligé de coller à lui en fait, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on bouge pas. Holding position. Holding position. Et qu'on défende de là, tout simplement. Tant pis. Dommage de pas avancer, mais bon, on a plus que 11 ennemis, 0 nids. C'est vrai qu'en mode easy, c'est quand même vraiment easy. Hein. Je vais tester, mais... C'est easy, on peut pas dire le contraire. Oui, par rapport aux 93 à tuer, on est d'accord, ça change un peu la donne, ouais. Alors là, par contre, on peut pas passer, ça c'est con. On va juste jeter un œil ici pour être sûr qu'il y a personne, et visiblement, il faut qu'on fasse le tour par là. Ok, là il y en a un qui est un peu énervé. Celui qui est rentré ici doit s'être barré, je pense. Donc on va se mettre en tanking. On va se relever, avancer jusque là. On se rebaisse. On défend. Toi t'avances jusque là. Tu défends. Ici du coup on a éliminé l'enfoiré. On va se relever, avancer un peu. Des cadeaux. Des cadeaux, pas d'ennemis pour le moment. Mais pareil, il faut faire un vieux tour pour aller chercher le cadeau. Bon, on va y aller. Non, lui il pourra pas prendre. Enfin, quoique je peux peut-être stacker ça ailleurs. Non. Il peut pas prendre d'autres cadeaux. Ça c'est du standard, c'est du standard. Je peux optimiser un peu comme ça, mais non, ça c'est du perçage d'armure. Que j'ai ramassé. Pas grave, c'est Aminou qui va prendre ça. Searching. Du coup, on défend là. Toi, t'as plus assez de points pour défendre malheureusement, donc tu vas te contenter de recharger. On va avancer l'ingé jusqu'ici, comme ça il va pouvoir défendre. De toute façon, ils sont obligés de se faufiler aussi, hein, les ennemis. Holding position. Ok. S'ils tentent de passer, on peut les allumer quand même. Je vais pas me mettre devant, ce serait con, donc toi tu fais rien avec tes points. Et les autres ils attendent. Tango down. Un de moins. Fire. Lui, il va essayer de se rapprocher. Il est mort. Il y a un gros qui marche, je l'ai entendu. Claquer un petit scan au cas où ça soit par là. Understood. Ah oui, il y a du monde là. Non, pas de gros, il doit être parti. Ah oui, il se balade là en fait. Il est rentré là et on dirait qu'il a changé d'avis. On voit son aura là. Non, il t'inquiète, on n'a pas besoin de le courir après, il vient vers nous là, il est là. On voit bien son aura là. Qui tente de jouer au con. Ici il y a un foutu scorpion. Il nous faut une position défensive parce que lui va exploser, énormément exploser, lui va énormément exploser. Et on est beaucoup trop mal placé là. On va reculer je pense. No problem. Encore une case. Hop, on va te mettre toi ici. Roger that. Tu t'accroupis, tu défends, toi tu reviens là. Tu t'accroupis, tu défends, et toi tu défends. Voilà. Si je te mets en pinpoint, je peux mettre plus de portée. Non. Bon, tu vas rester en précision, c'est très bien. Ici, toi, il faut que tu ailles chercher le cadeau. Hop, voilà, petit cadeau. On va jeter un oeil au coin là. On voit une petite saloperie et il y a le gros tas derrière, très bien. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre position là. On reload on défend. On reload on défend. S'il charge on va pouvoir lui mettre 3-4 tirs avant qu'il se pointe. Ce qui va être quand même pas mal. Il en reste 8, donc 3 ici et 2 là. Et ça grêle un peu dehors. Très bien. Alors là, il y a lui qui a avancé.
C'est tout, ils avancent pas. Ah. Ah si. Là, il a carrément avancé, mais il avait pas assez de mouvement. Ok, on fait la même. On va se coucher. On défend. Là, il a avancé, là. Il va passer le coin. Ici, du coup. On va se le faire. Un de moins. Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu, du coup? Ça pourrait être pas mal. Affirmative. Holding position. Yes, sir. On n'a pas une super position là pour tirer, mais bon. Là, on va défendre avec notre dernier point. Alors attention, voilà, l'autre il s'approche, faut le tuer avant qu'il soit trop proche. Bon. On a pourri toute la zone. Non, c'est pas celui qu'on attendait. Ça c'est celui qu'on attendait. Si on pouvait le repousser un coup, voilà, pour le faire perdre du temps. Plus de... Aïe. Bon ça va, franchement, quand on voit les Greater Shadow Envoy qu'on a pu se taper, un bisounours le machin quoi. On va même pouvoir se permettre de mettre des petits pansements sur les blessures. Allez, démonique, je suis utile. Termine-le. Voilà. Il en reste plus que 4. Et beaucoup de cadeaux. Donc là, le problème, c'est que les cadeaux, ils sont un peu coincés derrière... derrière des trucs qu'on peut pas y aller. Combien on a pris de cadeaux? Là on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est tout. Ah, il nous en manque pas mal hein. Roger that. Non, je t'ai dit de te relever. Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Yes, sir. Il y a une petite saloperie là, ok. Tu ramasses les cadeaux avant d'avoir tué tout le monde hein. Je ramasse les cadeaux avant d'avoir tué tout le monde, oui, mais bon, encore faut-il... Ah merde, on est obligé de passer. Il peut pas sauter. Ah si, il se peut sauter, mais il saute pas automatiquement. J'ai coincé le chemin évident avec, avec elle en fait. Ok, tu t'accroupis, tu défends. Tu reload, tu défends. Ici. Merde. Qu'est-ce qui nous gêne? Ah oui, il y a ça. Putain, faut qu'on saute, puis qu'on saute. Non, on peut passer par là. On va y aller avec lui. Lui, je sais qu'il peut sauter deux cases, donc ça tombe bien. On a un petit ennemi là. Je pense que même lui pourrait gérer avec son... son petit truc. Oh, alors, encore faudrait-il toucher, bien évidemment. Ok, très bien. Double miss. Understood. Ah, les cadeaux c'est bien, mais il faut survivre. Là, oui, on... mais le problème c'est que... toi... Oui, je sais, si je ramasse pas tous les cadeaux à la fin de la mission, j'ai perdu, je perds les cadeaux. Mais si je meurs à la fin de la mission, si tu veux, ça change pas grand chose quoi. Là on est obligé de chausser dans les flammes, on va sauter dans les flammes, tant pis. Hein. Ouais. Bon là le worm c'est pas très gênant, lui il va être un peu plus chiant. Copy that. On devrait pouvoir quand même encaisser, on n'a pas notre soigneuse en plus là, hein, donc... Understood. On va voir si lui, on saute dans les flammes un peu. Ah putain on a pris feu. Défendant. On
On a 30 build-up, ça devrait aller. Fais ça, casse-toi. Ok. On ramasse ce cadeau, on va aller. On va ramasser ce cadeau, on va aller se mettre là. On va éliminer lui. Toi, tu ramasses ça. Après, tu vas là. Tu ramasses ça. Ah non, tu peux pas, toi, mince. Jette-moi ça. Il semblait que j'en avais déjà un qui avait ramassé des cadeaux rouges ici, mais non. Fire. Merci. Si je fais ça, j'aurais pas assez. Si je fais ça, 64, c'est pas mal. 36 de poison et tout. Enfin, c'est vraiment hyper fort cette munition. Yes, sir. Et là, on a encore deux cadeaux rouges à ramasser. Très bien. Roger that. Il nous reste deux ennemis. Si on fait le point sur les cadeaux, on en a 2, 3, 4. Ah non, du coup je peux pas voir ceux qui sont à 0, c'est vrai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il doit en rester quelques-uns par là. Understood. Et dont un alien d'ailleurs. Roger that. Zéro cadeau pour le moment. Understood. Yes, sir. Roger that. Pas de cadeau. Yes, sir. Pas de cadeau, pas d'alien. Où est le dernier? Le scanner ne nous aide pas. Intéressant. On a fouillé un peu tous les cul-de-sac à moins qu'il soit là. Non, le scanner nous l'aurait dit. Très bien. Holding position. Ah! Il était planqué dans la salle derrière, le saigo. Juste en dehors du scanner, je pense. C'est que 20 cases le scanner. Ok, donc ça veut dire que là, ça je vois pas bien c'est quoi comme cadeau. C'est un violet. Donc toi tu vas aller récupérer cela. Searching. Searching. Toi tu vas récupérer celui-là. Searching. Là du coup normalement on a tout. Là on a 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15. Parfait, on a tout. On peut donc s'éloigner un petit peu de ce con. Et c'est fini. Et on est à 17 sur 20, donc on devrait avoir un prototype normalement. Bon, ok, en easy, c'est quand même très très easy. Hein. On va pas se mentir. On a récupéré nos 15 cadeaux. Alors, on a eu un petit bonus de pour les melee weapons et pour les heavy. Plus 3% de dégâts exactement, et on eut un self-pistol, super. Truc de merde. Qui donne en plus un bonus de mêlée combat. Génial. Le truc de chiotte quoi, sans déconner, on a vraiment eu ça? Ah oh, putain oui, on a vraiment eu ça quoi. Abusé. Le self-pistol de merde quoi. On voit le salvage. Hop, d'ailleurs je pense qu'elle aussi on va la salvage, on en a pris une, c'est déjà bien assez.
Bon, cela dit, on a quand même débloqué de quoi faire un petit tactical laser. Et ça, c'est bien. On va donc le faire. Hop. On va le donner à Chobiti. Hop. C'est bien les mêmes, hein. Oui, c'est ça, c'est bien les mêmes. Donc on peut vendre ça, du coup. Et ça nous fait un petit peu de points à dépenser pour d'autres trucs plus intéressants. Avec 5000 points, on pourrait monter de niveau Broodaf. Ah non, je voulais lui donner plus d'agilité pour compenser ses pertes de... Ce qui perd pas mal en portant un bouclier en point d'action, hein. Si on déséquipe le point d'action, on voit qu'il passe à 50. Le bouclier, pardon. On voit qu'il passe à 50, mais du coup, non, ça ne pourrait pas lui monter grand chose d'autre. Faudrait qu'on... On pourrait monter par contre, genre un Malvin là, le promote. Mais faudrait libérer des points. Et on a vu qu'on était quand même short en équipement. On va peut-être plutôt en profiter pour prendre un peu plus de soins. On peut prendre un first aid kit. Et puis quelques toxines en plus. Non, ça coûte... on peut remplir nos nouveaux plasts. On va en acheter un comme ça. Et après... Hop, voilà, on prend quelques pansements en plus, un kit de plus, ça fait quand même 80 PV de plus à soigner, c'est pas mal. On va vendre une grenade. Ok, on a pile 500. On peut prendre un comme ça, voilà. Ok, bon, on améliore un petit peu nos capacités de soins, c'est toujours ça de prix. Et du coup, bon, on va arrêter l'épisode de VOD là, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!